Il en reste un, il y en a un qui a fantôme, je pense. Et c'était deux. Le gaz avance. Nouvelle zone de sécurité. C'est trop tard. Vous avez perdu les cibles. S'il prend le véhicule, il meurt. L'encul. Ah, ok. Ah ouais, j'ai fait sauter le tubercule. Exact. Non, mais ouais. Ah, je le vois. Vas-y, prends la bagnole. Prends la bagnole. Vas-y, vas-y, vas-y. Eh hey, bim. Oh. Vas-y. Un peu plus à gauche. Un peu plus à gauche. Allez, c'est parfait. Pigeon, une humiliation parfaitement calculée. Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui sur Warzone France pour l'épisode 4 des vidéos old school, l'occasion pour vous de découvrir des clips que vous n'avez sûrement jamais vus sur la chaîne, puisqu'elles n'existaient pas à l'époque, et on enchaîne avec Punk Hill, et un conseil, tendez bien l'oreille. Attends, les Français vont me tuer là. Il est là le mec, il est là. Oui, Guillaume. Ils vont me la mettre là. Oh mon dieu! Allez, oh non! T'as pas le droit, Soso! Il a dit, c'est pas vrai! Ça fait du bien de revoir un petit peu de Rebirth Island. Et d'ailleurs, ce n'est pas Riskin qui dirait le contraire. Aïe! Il y a un mec qui est dans en face de nous, je vais essayer de le chercher. Ah, il a pris le kill l'autre. Ça se prend encore? Plank, là. Encore un down. Oh j'adore ça, ça me chauffe bien ça. Notre gauche. Ah ok. Ça arrive en bas. Ah putain ouais. Tombé moi comme une blonde. Oh let's go, je les finesse. Comprends pas. Let's go baby. Il était passé en mode tourelle automatique. On continue avec EG et attention car ça va aller très très vite. Bah salut, je viens de te voir. T'en as pas marre de camper là, grosse merde? Hein? Heure de quitter ce lobby, 21h39. Une balle qui remet les idées en place. Pendant ce temps-là, Shouacha n'a pas besoin de balles. Oh! Insanity Clip! On va faire un tour du côté d'Anil, qui a renommé sa chaîne en Wartech depuis ce clip. Oh là là. Alors ça, si vous pouvez me le clipper, par contre, c'est plutôt sympathique. On laisse Rebirth Island un instant pour aller voir ce magnifique clip signé Skyrose. Crac. Ok. Et tu le gères, ça y est. GG boy. Voilà. Vas-y, montre-moi, il est là. Où ça? Il est rouge, live. Là, il est là. Ah, touché. Oh oh oh. T'es mal aveugle, frérot, t'es mort. Le HDR, ça, c'était du vrai sniper. Du côté de Punk Hill, on dirait que son téléphone le gêne un petit peu. Ah, oh, putain, je me gênais avec mon téléphone. Ah, oh, putain, fais chier, j'arrive pas à l'enlever. Ah, je suis mort. Putain, téléphone de merde, attends. Depuis tout à l'heure, il me gêne sur le bureau, là. Même avec ce handicap, il les a explosés. Oh, attention, Prose a sorti l'arbalète. Ah oh, come on. Oh my. Continuez d'avance. Oh, let's go. Wow.
Je profite de cette vidéo pour vous indiquer, ou bien même pourquoi pas pour vous rappeler, que vous aussi, vous pouvez passer sur Warzone France. Pour ce faire, vous retrouverez en description un formulaire vous indiquant les recommandations et surtout les critères de sélection de la chaîne. Donc si vous avez une belle action, un magnifique fail, un descom de qualité, ou bien même pourquoi pas une rencontre avec un cheater sur Warzone, tentez votre chance, on se fera un plaisir de vous répondre et qui sait, de vous faire passer sur la chaîne dans un prochain épisode. On continue avec Chouachin et un clip qui fera un spot parfait pour la sécurité routière. Go les 18 000. Ah chat, j'en ai envie. Mais... Monsieur ! À toutes les personnes plutôt jeunes qui regardent le live, avant de traverser la route, pensez toujours à regarder à droite, puis à gauche. Sinon, il peut se passer ce genre de choses, j'ai envie de dire. J'aurais même dit à gauche puis à droite, mais ça c'est un détail. Oh, attention, écoutez bien. Grosse merde, l'entraîneur me... Ah d'accord. Lui, il est un petit peu énervé. Tiens, on dirait que Punkill s'était mis en mode tourelle automatique sur Rebirth Island. Comment ça va là? Ah, ça va que quand tu fais des bons starts en fait, c'est ça? Ouais, exactement. Je suis allé contrôle, j'avais un mec. C'est fini contrôle, je trouve un peu. Il y a même pas une team, il y a un mec. Ah, Mystique, il a une technique, la lumière ça marche. S'il y a le shop du bas, il y a du monde qui va. Un très joli start, GG à lui. Pendant ce temps-là, chez Laria. Bon, allez hop, à tout à l'heure. Pas de plaque. Je joue plus cette game, c'est fini. Ça arrive à tout le monde après tout. Du côté de Chouachin, c'est un clip surprenant qui nous est proposé. Pour avoir mes atouts. Oh, y'a un camtar, oh merde! Ah, ça va, il se bat. Ça fait. Ah, j'ai collé 70, je pensais à un mec. Si quelqu'un a une explication, on est preneur. Oh, attendez, je crois que ceci va nous sortir une dinguerie. Waouh! T'as mis un gros shoot. Est-ce que j'ai des couteaux? Oh! Oh! Oh là 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 là, merci. Un très joli couteau de lancer. On enchaîne avec ESK qui lui aussi enchaîne ses ennemis. Y'a lui. Et y'a lui. Trois même. C'est la folie, hello. Quatre, un autre. On a un autre encore. Allez, à la chaîne. Cinquième. Super. Allez, un sixième. Let's go. Ouais, salut! Et ça, ça aurait pu durer très longtemps. Pendant ce temps-là, Proz avait sorti le Tundra. Soldat ennemi à proximité. C'est ceux qui trouvent que le snipe a un flow légendaire, man. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi je le trouve cool! Je sais pas pourquoi, il est juste insane! C'est vrai qu'il était pas mal dans le genre. Oh, attendez, je crois que Chouachin s'est remis au couteau balistique. C'est incroyable. Putain, mais... Non mais, frère. Une véritable boucherie. Pendant ce temps-là, Risky nous sort de très gros clips. Regardez. Truc. Oh, let's go, baby. T'as pris l'instant. Shot. L'arme est trop forte, les gars. Ça, c'est le clip TikTok, hein. Ça, c'est le clip TikTok qui tombe, là, hein. Nouvelle classe, broken, je sais pas quoi. J'ai tout donné pour la classe TikTok, maintenant on peut quitter le live. On retrouve ESK sans plus tarder et un conseil, accrochez-vous. Il va quitter le colline, mec. Mais go, il joue gaz, je vais serrer. Faut gêner, oh non, Isrea.
Is red. Derrière, t'as un kill gratuit dessus. Ah, bien. Oh, t'es trop loin. Les deux balles de car étaient sacrément belles. On continue avec Prose et un bug pour le moins surprenant. Au travail. Restez sur vos gardes. L'équipe ennemie vous traque. Cible mise à prix identifiée. Que le jeu commence. Qu'est-ce que c'est passé? Il s'est... Attends. C'est moi où il s'est téléporté, les gars. Comme quoi, les serveurs avaient déjà du mal à l'époque. Pendant ce temps-là, sur Caldera. Ah, il a pas vu venir, celle-là. Oh, encore une fois, tendez bien l'oreille. Oh, bon, je sais, mais tu te barres. Non, je suis bien. Moi, je suis bien. Je me push, j'ai le... Oh, il a pété le stop, le mec. Putain, il a crié impossible. Un descom de qualité. On enchaîne avec Pingeek en direct de Caldera. Ah non, vraiment. L'automate faisait vraiment mal. Et du côté de Chouachin, il y a vraiment rien qui va. Eh, hey, reviens là, gros Tony. Reviens là, gros Tony, je t'ai dit. Gros Tony, cet argent, il vient d'où? Comment tu l'as attrapé? Oh, écoute bien, c'est la main froide qui te parle. Comment t'as fait? T'as sucé des bites? Oh putain, gros Tony. Je m'en doutais, gros Tony. Oh, attendez, on a retrouvé Skyrose et il est toujours sur Caldera. Quoi? Pardon! Oh, attention, ça va aller très vite. Le gaz est en train de se déplacer. Wow! Qu'est-ce que je vais faire? Vous l'aurez compris, on arrive à la fin de ce quatrième épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, pensez au petit like et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Sur ce, c'était Vince. Salut tout le monde et à la prochaine. Bye bye!